Good morgen Aleiden, nous sommes le dimanche 10 Adar Bet 5776 et l'étude sera le Lunishmat Rachel Batsara, Rivka Batsara, Elizrut, Yochai Netanel Ben Clara et Rivka Bat Martin Miriam, le Ben Zachar, Bekarov Bezrat Hashem. Nous étudions Baba Kama Perek Vav Mishnah Gimel, Hamakdish Betoch Sade Shel Chavero Shelo Birshut, Vachalatan Behemto Shel Baala Sade, Patur, Vimuz Kabaen Balagadish Chayav. Migdish Birshut, Baal Asadeh, Chayav. Mishnah, très simple. Une pure répétition d'une notion apprise il y a tout juste une semaine quand on était au Perek He Mishnah Gimel. On parle de quelqu'un qui fait entrer ses fruits, qui entrepose ses fruits dans la cour, dans le champ de son voisin, sans sa permission. Il les fait entrer, et alors là, il y a deux situations qui peuvent se passer. Soit l'animal du voisin qui vient et qui les mange, ou bien l'animal qui vient et qui glisse sur ses fruits, et dans les deux cas, puisqu'il a entreposé ses fruits sans permission, il sera donc responsable dans tous les cas, il ne pourra rien réclamer comme dédommagement, et il devra dédommager si à cause de lui, l'animal a glissé et est tombé et s'est cassé une jambe. Petit rappel entre parenthèses, on avait vu aussi le cas où si l'animal est mort en mangeant trop, ou il est tombé malade en mangeant trop, cette fois-ci là, je serai dispensé de payer, parce que ton animal n'avait pas à manger, c'était une halakha un peu spéciale, mais enfin on ne va pas la répéter. Ça c'était pour la première partie de la Mishnah, on l'a fait dans les mots. Amakdish betor sadesh el chavero shelo birshut. Amakdish ça vient du mot gadish, un tas de céréales, un tas de foin. Donc amakdish c'est qu'il a fait un gadish, il a fait un tas de fruits. Betor sadesh el chavero, dans le champ, à l'intérieur du champ de son prochain, de son ami, shelo birshut, sans sa permission. Et l'animal du propriétaire du voisin donc est venu et a mangé ses fruits. Alors la Mishnah nous dit pas tour, on sera dispensé de le propriétaire donc sera dispensé de rembourser ses fruits. Et si l'animal qu'on est venu il a glissé sur ses fruits, il s'est cassé une jambe ou il a eu un dommage, celui qui le propriétaire des fruits entreposés devra dédommager le propriétaire de l'animal. Par contre, Vimigdish Birshut, si avant d'entrer il a dit je peux poser mes fruits, et l'autre lui a répondu vas-y pose-les. Donc il a été Magdish Birshut, il les a entassés avec permission. Dans ce cas-là, le Baal Asadeh Chayav, le propriétaire du champ, devient pleinement responsable dans les deux sens, c'est-à-dire si son animal vient et mange le fruit, il devra le dédommager, et si son animal vient et glisse sur ses fruits, il sera complètement dispensé de le dédommager. Voilà pour la Mishnah, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans cette Mishnah? C'est la pure répétition de la Mishnah Perek Hey, Mishnah Gimel, regardez-la avec la Machloket Rabbi Chachamim là-bas. Et alors effectivement, la Gemara pose la question et la Gemara répond, il y a un tout petit supplément ici pour Rabbi. On apprenait dans la Mishnah de la semaine dernière que selon Rabbi, lorsque je te dis vas-y, pose tes fruits, je ne prends pas sur moi de les surveiller. Je te permets uniquement de les déposer. Et on arrivait dans une situation où on était tous les deux dispensés, c'est-à-dire si mon animal mange mes fruits et mange tes fruits que tu as posés avec ma permission, je serai dispensé de te manger parce que je n'ai pas pris sur moi de garder tes fruits. Mais malgré tout, si mon animal vient et glisse, tu n'auras pas non plus besoin de me dédommager parce que tu as posé tes fruits avec permission. Ça implique qu'on sera tous les deux dispensés de dédommager l'autre. Il fallait nécessairement dire pose tes fruits, je vais les surveiller. C'est ce qu'on apprenait la semaine dernière. Cette fois-ci, là, la Mishnah nous dit que c'est plus la peine de le faire. On est même d'après Rabbi, parce qu'on parle d'un cas spécial. On parle que ce voisin, en fait, c'est lui qui garde, c'est le gardien des fruits de tout le secteur. Tout le monde vient et dépose les fruits chez lui. Et dans ce cas-là, chez une personne pareille, à partir du moment où il me dit vas-y, pose tes fruits, alors ça implique pose tes fruits, je vais les garder. Voilà pour la petite précision. On fait le Bar Tenora tout de suite. Veimigdish Birshut Baal Asadeh Chayav. Alors, Bagmara Mokela, dans la Gemara, on explique que cette Mishnah parle en fait Bebik'a, dans une vallée, Sherigilin Kulan Laasot Begoren Echad, que tous les agriculteurs ont l'habitude de déposer leurs fruits dans un seul Goren, dans une seule grange. Goren, grange, regardez, c'est la même lettre, Goren, grange. Ze Gdisho, Ve Ze Gdisho, chacun vient et pose là-bas son Gadish, son Ta. Au même anime, Shomer, et ensuite on nomme un
gardiens pour les surveiller. Mais Kevan Shamar Ashomer Ail Ugdish, et étant donné que le voisin, bah, donc ce gardien m'a dit, vas-y, fais-les entrer, entrepose-les. Have Keilu Amar Ail Veantarlach. On considère que c'est comme si il m'avait dit explicitement, mets-les et je vais les surveiller. Aval Mishar Bne Adam, par contre, si j'avais. J'étais parti chez n'importe quelle autre personne et lui dit je peux les mettre, il m'a dit oui, vas-y, pose-les. Afilo, Igdish, Birshut, En Bala Sedechayav, même si j'avais la permission de les entreposer, le propriétaire n'aurait pas été engagé responsable de me dédommager. Ad Demekabel à la Netirota, jusqu'à qu'il aurait pris sur lui là, de garder les fruits, de les surveiller, comme ce qu'on apprenait, on est selon Rabbi. Voilà pour la Mishnah Gimel. Petite nouveauté aujourd'hui, on va continuer la Mishnah Dalet, mais la Mishnah Dalet est très longue. En fait, on ne va pas faire toute la Mishnah Dalet, on va la couper en deux. En théorie, je ne devais pas couper de Mishnah, mais en l'occurrence, la Gemara elle-même s'est permis de couper cette Mishnah en fait en trois, parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des parties très distinctes. La première partie, à partir de maintenant, on va commencer à détailler les halakhot du Nezek de Esh, celui qui allume un feu. Et on va, jusqu'à la fin du break, trois grandes Mishnayot, on va aborder plusieurs aspects. Et dans la première partie de la Mishnah, on va parler sur les conditions de surveillance, plus ou moins, qui est chayav, dans quelle mesure je suis responsable de dédommager. Donc on va la faire. Et comme ça, ça nous permettra d'arriver à une moyenne de 15 minutes par cours. Je vous l'avais promis qu'on allait y réussir. Je sais que pour le moment, c'était un peu difficile, mais le temps que tout se mette en place, Bezrat Hashem, doucement. En tout cas, pour le moment, on commence la première partie de la Mishnah d'Alet. Et demain, on reprendra très rapidement et on passera ensuite à la suite. Asholeach et abeera beyad chere shote vekatan patur medine adam vechayav bedine shamayim shalach beyad pikeach apikeach chayav. אחד הביא את האור, ואחד הביא את העצים. המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים, ואחד הביא את האור. המביא את האור חייב. באחר וליבה, המלבה חייב. ליבתה רוח, כולן פטורים. Et on s'arrête là. Mishnah qui nous introduit la halakhot du feu. En nous parlant d'un premier cas, où d'abord je vais transmettre une flamme, même une flamme, par exemple, à un inconscient, qu'il soit fou, qu'il soit sourd, comme on apprenait déjà un sourd de naissance, ou qu'il soit un petit, donc à quelqu'un d'irresponsable, je lui transmets ma flamme, et je lui dis même clairement, va allumer là-bas, par exemple. Ou même, je lui dis même de le garder, peu importe, ça vient en même. Dans tous les cas, on dit, patour bedine adam, le bedine ne me rendra pas chayav de payer. Pourquoi ? Simple raison, étant donné que l'action concrètement de causer le dommage, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Moi je suis responsable plus que moralement. Comme ce qu'on avait appris, patron Vedinam, Vechayav Vedineshamaim. J'ai une responsabilité, mais malgré tout, je ne suis pas moi concrètement l'adresse à venir voir pour se plaindre et me dire vas-y, des dommages à cause de toi, il y a eu un feu. C'est vrai que c'est par ma cause que le fou a fait une bêtise. C'est plus mon action, donc je suis dispensé du point de vue du Bet Din. D'accord ? Ça, c'est ce que la Mishnah nous disait. Sholach et abeera, il a beera milachon boer, quelque chose, un combustible, plus qu'à dire quelque chose d'enflammé, quoi. Sholach et abeera, il allume, donc il envoie une flamme, beyad cheresh, shote vekatan, par l'intermédiaire d'un fou, cheresh, un sourd, shote, un fou, ou un katan, un enfant, patur bedine adam, il est dispensé de le dédommager. Vechayav bedine shamayim, par contre, il devra. Il a une responsabilité complète face au ciel, comme ce qu'on expliquait, que s'il veut s'acquitter, faire une vraie tchouva, il devra concrètement le dédommager. Mais l'autre n'a malgré tout pas de réclamation à me demander clairement. D'accord ? Ensuite, deuxième partie. Shalach beyad pikeach, apikeach chayav. Si j'ai envoyé cette flamme par l'intermédiaire de quelqu'un de responsable, pikeach, un intelligent, donc en l'occurrence, c'est bien un responsable, apikeach chayav, c'est le. C'est cet intelligent qui sera désormais porté responsable. Précision, c'est la Gemara dans Baba Metzia cette fois-ci qui nous explique sur cette Mishnah. On parle concrètement Shalach Beyad Pikar. J'ai dit au Pikar, vas-y, va mettre le feu chez le voisin. Parce qu'il y a une grande. Et malgré tout, je ne suis pas moi le responsable, mais c'est lui le responsable.
C'est lui qui devra dédommager. Il pourra pas dire, ah, mais je suis ton chaliar. Dans plein de domaines de halakha, on aura l'occasion de le rencontrer très fréquemment. Les lois de shlichut, d'envoyer. Lorsque je nomme un envoyé, un émissaire, pour partir faire une action, dans plein de halakhot, alors quand il agit, on considère que c'est moi qui agis. Je peux même partir marier une femme par un intermédiaire, en lui disant de partir à ma place sous la choupa et de donner à la femme la bague et de lui dire « Arat me kudeshatli ». Donc pourquoi là, cette fois-ci, il n'est pas considéré comme mon envoyé, comme mon chaliar ? Réponse. En shaliach lidvar avera. Lorsque tu vas accomplir une avera et tu envoies un envoyé pour l'accomplir, alors c'est l'envoyé qui prend tout sur la tête. C'est lui le fautif. Parce qu'on a une règle que divrei arav, divrei talmid, divrei mishomim. On va attraper l'envoyé, on va lui dire mais tu es fou toi d'avoir fait cette avera. C'est vrai que lui t'a demandé d'aller la faire, mais il y a déjà quelqu'un d'autre qui t'a demandé de ne pas le faire. Qui? Hachem. Divrei arav, divrei talmid. Entre le rav qui te dit quelque chose, ou bien ton copain, ton camarade, qui te dit de faire autre chose, divrei mishomim, qui faut-il écouter? Il faut écouter le rav, bien évidemment. De ce fait, on considère que tu n'es pas chaliar. C'est toi le fautif, et tu seras toi seul porté responsable. D'accord, c'est ce que la Mishnah nous dit, shalach beit pikeach, pikeach hayav, si l'envoyé donc là braise la flamme par l'intermédiaire de quelqu'un de responsable, ce sera celui-ci, donc cet envoyé qui sera responsable tout seul, et pas l'envoyeur. Voilà pour la première partie, on continue ensuite, deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, on va parler d'un cas de figure. Et pour allumer un feu, il faut une flamme et un combustible, du bois. Alors, on va parler maintenant d'un cas où l'un amène une flamme et l'autre amène le bois. Alors la règle, elle est simple, c'est celui qui amène en dernier, qui cause la propagation du feu, et donc ce sera lui seul le responsable et pas le premier. Donc la Mishnah nous dit, « Echad evi et ta'our, l'un apporte la flamme. » Et l'autre apporte les bois. Ce sera celui qui amène les bois, qui sera responsable, puisque c'est lui le dernier qui amène. C'est lui qui fait sortir du potentiel au réel, qui convertit, qui rend le fait que le feu soit maintenant dévastateur, qui va pouvoir se propager. Inversement, le premier a apporté le bois. Et l'autre a apporté la flamme. Ce sera celui qui aura apporté la flamme, qui sera lui-même porté responsable. Évident. Nachon. Maintenant, on va parler d'un nouveau cas. On va parler d'un cas où j'ai laissé une braise. Et une braise, de nature, elle est probablement censée s'éteindre. Donc, ce n'est pas encore une flamme. Et alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Ba'acher Veliba, une tierce personne vient et se met à souffler, à l'attiser. Et le feu reprend et se propage. Amelabé Chayav, ce sera lui seul le responsable, plus moi. C'est vrai que moi, j'ai quelque part négligé ma braise. Que s'il y avait eu un vent qui était venu, si un vent était venu, il aurait attisé tout ça. Mais concrètement, pour le moment, il y a quelqu'un de responsable qui est venu lui-même faire cette action. C'est plus une cause naturelle. Donc c'est lui le responsable. Par contre, Libta Haruach Kulam Turim. Alors, si on traduit les mots de la Mishnah, ça se dit comme ça. Libta Haruach, si c'est le vent qui est venu qui l'a attisé, Kulam Turim, on sera tous dispensés de dédommager, on ne sera plus responsable, c'est le vent le responsable. Précision. Le Tosfot le ramène, ça revient dans le Tosfot Yom-Tov ici. On parle que c'est un vent imprévu, inhabituel qui est venu. Pas un petit vent classique qu'on a fréquemment. Donc, puisque c'était un imprévu, cette fois-ci, c'est le vent le responsable, on sera patour. Bien évidemment, je pense que ce sera patour. Midin Adam, Bechayev Bedin Echamaim, bien sûr. Voilà pour la Mishnah. Ouais, on a tout fait, Baruch Hashem. On fait le Barthénora sur cette première partie de la Mishnah. Ba'acher Veliba. Quelqu'un est venu et lui a été mélabé. Lélabot Esh, ça veut dire attisé. Napach Ba'esh, il a soufflé sur le feu. Ve'ela Shalhevet, et donc il lui a fait monter la flamme. Kmo Belabat Esh, comme ce qu'on rencontre parfois dans la Torah. Belabat Esh, dans le feu qui était le buisson ardent. C'était même sur la vision de Moshe Rabbeinu quand il a vu le buisson qui était Belabat Esh. Veitzvarim de Garcé, c'est la Gemara qui précise en fait que certains disaient que si c'était pas Bacher ve Liba, mais ve Niba, avec un Nun. Niba. Mixerat Niv Sfataim, comme le Pasuk nous dit Niv Sfataim. Niv Sfataim, Niv, ça veut dire en théorie bourgeon, mais concrètement c'est le fait que les lèvres parlent. Kshadam medaber menanea bisfatav ve ruach yotse, lorsqu'un homme parle, il fait bouger ses lèvres et du vent sort. C'était concrètement juste pour nous expliquer la terminologie, l'étymologie plutôt, du mot niba, ruach. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha.
Rendez-vous demain. Kol Tov Sela.